Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver dans ce nouveau cours et aujourd'hui je vais vous apprendre le démêle-doigt. C'est parti! Alors, le démêle-doigt, c'est un exercice pour vous démêler les doigts. Et vous pouvez télécharger la partition, elle est disponible gratuitement sur mon site basbruno.com. Vous pourrez l'imprimer, c'est en PDF, et vous faire un beau classeur avec tous les autres cours qu'il y a déjà. Alors, le démêle-doigt, à la base, c'est très simple. C'est un motif de 8 notes, 8 croches, hein, puisque j'ai écrit l'exercice en croches. Une fois que vous aurez appris ces 8 notes, vous les déplacerez chromatiquement vers les aigus, c'est-à-dire de case en case. On va démarrer sur le Fa, donc en case 3, sur la corde de Ré, puis ensuite en case 4, 5, 6, 7, etc. Donc, il est très facile à mémoriser. Vous mémorisez la première mesure, et d'ailleurs, vous pouvez voir dans la partition que j'ai inclus le doigt et main gauche, hein, doigt 2 pour le majeur, doigt 1 pour l'index, doigt 3 pour l'annulaire, et doigt 4 pour l'auriculaire. Donc, vous apprenez par cœur cette première mesure et ensuite, on décale plein de fois et ensuite, on s'arrête quand on a atteint l'octave du Fa en case 15. Après, libre à vous, vous pouvez continuer, vous pouvez le jouer sur d'autres cordes aussi, pas de problème. Donc, on commence. Je vais vous montrer uniquement la première mesure, enfin les deux premières, on va dire, et puis après, je vous laisserai faire la suite de l'exercice. On démarre sur le Fa, donc ça, c'est notre première séquence. Ce sera un doigt par case. Donc, le Fa avec le doigt 2. Suivi du La avec le doigt 1, suivi du Do avec le doigt 4, du Si avec le doigt 3, du Si bémol avec le doigt 2, du Fa dièse avec le doigt 3, du La avec le doigt 1 et du Sol avec le doigt 4. Donc là, ce qui compte, c'est pas forcément les notes, quoique ça peut être un bon exercice si vous récitez en même temps le nom des notes, mais en tout cas, c'est juste d'apprendre la séquence. 2, 1, là je dis les numéros des doigts. 2, 1, 4, 3, 2, 3, 1, 4. Voilà, vous l'avez apprise par cœur, cette séquence. Et maintenant, deuxième mesure, vous décalez. Exactement la même chose. Les doigts, 2, 1, 4, 3, 2, 3, 1, 4. Et on continue sans s'arrêter avec un son bien égal. Donc, hein, vous voyez, je voulais jouer tout à l'heure en entier. Donc, prenez bien le temps de le travailler lentement. Hein. Là, je l'ai joué à 120 au début, mais maintenant, je vais vous le jouer à 70, comme ça, vous pourrez le jouer en même temps que moi, du coup. Donc, voilà, c'est un exercice facile, mais qui va vous donner beaucoup de résultats, surtout quand il est joué rapide, mais toujours attention avec qualité. Soyez exigeant, il faut un bon son et une bonne articulation des notes. Si vous le jouez vite et que c'est brouillon, ça ne sert à rien, ralentissez. Mais essayez quand même de pousser le tempo pour le jouer le plus vite possible. Vous verrez que là, ce sera vraiment intéressant et c'est là que ça va bien démêler les doigts. C'est parti pour le tempo lent. Voilà, ce démêle-doigt est terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau cours. Salut !